Bonjour Silvano. Bonjour. Comment t'as commencé en tant que DJ en fait? Bah moi très simple, à l'âge de 10 ans, mon père a travaillé dans une discothèque. Je suis venu en semaine, j'ai vu 2-3 boutons, j'ai appuyé, ça fait de la lumière. J'ai commencé par les lights et ainsi de suite avec les DJ, je regardais comment ils faisaient. C'était quoi la boîte? Le Lagon Bleu à l'époque. Ah, les Trépanis donc. Du côté des Trépanis. Ok. Et alors ton style plutôt généraliste, hip-hop, électro? Je suis assez généraliste, mais j'ai une touche un peu trap, twerk, R&B du moment. D'accord. Mais aussi non, j'aime bien tout ce qui est funk, disco, électro. Ok. Donc ton public, tu fais que du club, a priori? Pour le moment, je fais que du club. J'ai pas vraiment de résidence actuellement. Oui, mais t'as tourné à l'Atomix notamment, voilà. C'est là où les gens te connaissent. Je suis l'ancien DJ résident de l'Atomix. Et avant l'Atomix, t'avais eu d'autres résidences, non? Le Lagon Bleu. Le Lagon Bleu. Et sinon, quelques remplacements sur camp. J'ai pas fait de grosses tournées. Ok. Alors, qu'est-ce qui te plaît dans le DJing? Alors moi, c'est assez spécial, mais j'aime bien me démarquer des autres au niveau de ma technique, ma façon de mixer. D'accord. J'aime bien faire du tempo et autres, mais j'aime bien incorporer mon côté turntablisme de scratch. D'accord. C'est hip-hop. Ouais, donc t'es assez technique en fait. Enfin, j'essaie. T'aimes bien intégrer en tout cas de la technique. Voilà, c'est ça. Est-ce que, alors du coup par rapport à ton parcours, pas forcément, mais est-ce que t'as eu un morceau déclencheur ou vraiment un morceau au tout début que t'as commencé à mixer où tu t'es dit, enfin grâce à ce morceau-là, tu t'es dit que ça te donnait envie de mixer ou Pas vraiment, moi c'était plus la technique et faire danser les gens. C'était plus le fait de mixer en lui. C'est ça. Est-ce qu'il y a un morceau au moment où il est sorti où tu t'es dit, enfin avant que ça devienne connu, où tu t'es dit celui-là c'est sûr qu'il va cartonner, enfin en fait un morceau que t'avais remarqué un petit peu avant les gens et qui est devenu un gros carton par la suite? Récemment le DJ Snake avec le groupe anglais Aluna George. Aluna George, ouais. Ça fait super longtemps que tu l'as. Ça fait 4 ans qu'il doit être. Qu'il doit exister. Créé et il sort actuellement en radio et là les gens, c'est une explosion, ils adorent. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a un morceau que t'avais vraiment trouvé tout pourri, limite que t'osais pas passer, et qui finalement est devenu un gros succès, mais que t'as pas compris pourquoi en fait? Non, il n'y a pas de morceau. Si j'aime pas, je vais pas dire que je vais pas le jouer, parce que si les gens ils l'aiment, je vais le jouer, mais je vais éviter d'être trop clubbing radio en fait. Je vais pas lutter sur des morceaux. Oui. Tu mets ce qu'il faut, mais t'essayes plutôt de démarquer un peu des autres. Démarquer un peu des autres. Quel est ton premier achat, toi, à titre perso, en tant que DJ? C'est un vinyle de scratch. Un vinyle de scratch? Ouais. Et sur quoi tu mixes en fait? C'est quoi ton matos idéal, ce que tu préfères avoir pour mixer? Alors moi, c'est très simple, c'est 2 platines vinyle, une petite mixette de voix, je limite pas besoin des effets. D'accord, donc t'es sur Serato essentiellement? Ouais, actuellement je suis resté sur mon Serato. Donc ce soir, les platines, c'est pour toi les platines? C'est ça, c'est pour moi. D'accord. Pas de platine en plastique, type CDJ. Quel est ton meilleur souvenir de soirée, ou ta meilleure soirée? Alors si t'es obligé d'en choisir une, parce que c'est pas évident, mais... Bah, l'Atomix, j'ai pris pas mal de plaisir aux soirées américaines Borderline avec DJK. Et ta pire soirée, au contraire, le... Ma pire soirée. Alors, c'est des moments de solitude où on t'annonce une clientèle assez jeune, et arrivé là, tu as du 50-60 ans. Donc, musicalement, tu as intérêt d'être opérationnel. Ouais, c'est clair. Parce que là, c'est pas du tout ce que t'avais prévu. Le morceau que tu kiffes en ce moment? J'aime bien le Major Lazer avec DJ Snake. Et tes projets pour l'avenir? Trouver un club. Voilà, c'est clair. C'est ça. Donc là, c'est fini. Maintenant, je vais faire un petit bonus. Je vais te donner des styles de musique. Et juste, tu me réponds au tac au tac. Je te donne le style de musique et tu me réponds un titre, le titre qui te vient ou le titre qui, pour toi, représente ce style de musique-là. C'est tout simple, un Corona. Electro, actuellement, il y a du Martin Solveig, du Rick Ross. Bah, je vais dire Chris Brown. Il y a du classique comme Cool and the Gang, du Freddie James. Il y a des grands Admiralty ou autres. Ah, t'es le deuxième à me dire Admiralty. Voilà, c'est ça. Ils aiment bien le Music System. C'est en passé maintenant, quoi. Oui, bah oui. C'est difficile de passer à côté. Ouais, le grand Franck, c'est encore à l'époque. Le
Scorpion. Still Loving You. Voilà, c'est ça. Eh ben, merci beaucoup. Merci.